Et bonjour à toutes et à tous, c'est Pixel Pixel de retour sur My Brother Rabbit. Vous savez, ce petit jeu tout mignon d'objets cachés où on joue un. Oh, mais j'avais même pas remarqué que le décor bougeait quand on bougeait la souris, vous voyez? En fait, on joue un petit lapin qui doit sauver sa petite sœur Fleur, et c'est une petite métaphore de l'histoire d'une petite fille qui va se faire hospitaliser. Et pour qui ça va plutôt mal se passer à l'hôpital. Et on a des scènes vraiment toutes mignonnes entre chaque séquence. Et moi j'adore, c'est trop mignon et ce jeu me touche hein, quand même, c'est pas mal, les décors sont très 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 mignons. Enfin bref, donc ça c'est moi, ça c'est ma soeur, il faut vraiment que je m'occupe d'elle. Et donc regardez comment ça se passe. Au cas où vous découvrirez le jeu par cette vidéo, sachant que j'ai déjà fait plein de vidéos sur ce jeu, hein, donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Donc au fur et à mesure que... Donc là je peux pas monter, c'est des flèches hein, qui permettent de se déplacer d'écran en écran. Et en fait, vous voyez, c'est très fouillis, il y a plein d'objets. Et en fait, là, par exemple, ça me dit qu'il faut que je trouve des savons. Donc là, par exemple, je trouve un savon, ça devient gris, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de savon à trouver dans l'écran. Donc là, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ouvre, je vois qu'il y a un sablier. Quand vous cliquez sur un objet comme ça veut dire que bah, l'objet, vous ne pouvez pas le prendre pour l'instant. Mais clairement, le sablier, c'était utile. Parce que là, il y a un autre sablier, vous voyez, là-dedans. Et il me semblait en avoir vu un quelque part ici. Non, ah non. Ah non, voilà, le savon, il est là-dedans. Et vous voyez, ça me dit. Bah non, mais si tu veux réussir à ouvrir ça, il va falloir que tu trouves ces petits sortes de coccinelles scarabées avec des poids. Du coup là ça me dit qu'il y en a là, il y en a un là, il y en a un là. Il y en a plus à cet écran. Donc on va aller là-bas. Il me faut que j'en trouve un certain nombre. Voilà. Il m'en manque plus que un. Ah mais il n'y en a plus. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? J'ouvre ça, là je peux pas prendre. J'ai pas pensé à regarder un peu les. Ah, ok. D'accord, j'ai pas tout compris. Hein. Je pense que je comprendrai plus tard. Hein. Ça c'est une horloge. Petit bonhomme qui bouge. Ah, voilà, il y a un sablier là. Ah, voilà, c'était ça. Je l'avais vu là, mais il me semblait que je l'avais vu là-bas. Ah, mince, je voulais ouvrir ce truc, c'est pas grave. Ah, mais il y avait un savon ici, j'avais pas vu. Ça se prend pas. Donc là, vous voyez, j'ai besoin de savon. À mon avis, c'est pour faire des bulles, c'est pour s'envoler. Alors, ah, ça me dit que j'ai besoin de petites pierres. Très bien. Oups, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais. Pardon. Excusez-moi, petit bug. Alors, j'ai besoin de pierres. Ah, les œufs, ça servira pour plus tard. Donc voilà une pierre. Il m'en faut 4 en tout. Ah, bah si, il est là, le sablier que j'avais vu. C'était pas l'autre, du coup. L'autre, j'avais pas. Ah, j'avais pas remarqué. Un autre sablier. Donc c'est 2, 2, 1, 1. Parfait. Donc on fait 2, 2, 1, 1. Ah bah je peux pas prendre le sablier, super. Là il y a quoi? Il y a un autre sablier. Là il y a une sorte de timbre. Donc il me faut des pierres. Non, je voulais ouvrir le truc, ça s'ouvre pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit à fouiller? Ah là il reste un savon, ouais, donc il est là. Ça s'ouvre pas. Je peux pas monter tant que ça c'est. Tant qu'il y a les ronces, je ne peux pas monter. Alors, je trouve un moyen de couper ces ronces, je pense. Mais je sais pas comment. Savon. Et là, si je clique là, je peux pas. Non, là, vous voyez, je peux pas cliquer dessus. Bonjour, toi. Donc là, il manque des pierres. Ou alors. Et alors, c'est ça le marrant. C'est ça qui est marrant, c'est que dans ce jeu-là. Des fois, on voit pas tout. Ben alors, il manque un endroit où je suis pas allé encore, non? Parce que là, je vois pas. Si, d'accord. Parce qu'en général, les lieux où on peut aller, c'est des grosses flèches et tout comme ça. Alors là, je vois pas. Là, il n'y a rien à prendre. Ouais, là, il n'y a rien à prendre. Qu'est-ce que j'ai loupé? Là, ça me dit, regardez, deux comme ça. C'est peut-être un indice pour ici, non? Je peux pas tourner l'heure là, non? Si, là, je peux pas tourner l'heure. Vas-y, pousse-toi, mon petit. Là, je voudrais cliquer sur la. Ben là, il y a des sortes de ronces, mais alors, je ne vois pas. Est-ce que j'aurais pas loupé une flèche quelque part? Quand je fais ça, je vois des flèches qui vont là-bas. Des fois, on voit pas tout, vous savez. Ah, j'avais pas pensé.
Ah, succès déverrouillé. Yam Yam sans folie. Ok. Super, j'avais même pas vu. Ah, mon petit œuf. Plein d'horloges. Ah, une pelle. Voilà. Ah, très bien. Donc j'ai besoin de sablier. Ok. Ah bah ça y est, enfin. Du coup, il y a un sablier là. Il y avait un sablier là. Il y avait un sablier là. Il y en avait un en bas ici, un là, et il y en avait un autre. Ah mince, je l'avais vu. Où est-ce qu'il était? Non, je ne sais pas. Non, il n'était pas là. Sablier, je suis sûr que vous l'avez vu. Parfait. Donc là, ça, je me disais, j'étais bloqué, il se passe un truc, je peux rien faire avec ce que j'ai. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc on fait ça, on place les sabliers. Maintenant, le but du jeu, ça va être de sortir ce truc. Donc, bon, typiquement, ce genre de jeu, moi, je suis une quiche. Mais alors, genre, la quiche ultime. On fait ça. Ouais. Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Tchic, tchac, tchouk. Tchic, tchac, tchouk, tchic, tchac, et tchouk. Parfait. Non, bon, en fait, ça va. Trop drôle. Ah, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, c'est trop beau. Là, il y a lui. Ah, il est là, le petit bonhomme. Je peux pas l'enlever, pourquoi? Ah. Ah, ils veulent que je mette les dents dans l'ordre. Là. Ah, trop drôle. Ça y est, parfait. Il reste un savon ici? J'ai même pas vu. Où est-ce qu'il est ce savon? Ah, bien sûr. Parfait. Eh bien, c'est parti. On va utiliser nos petits dominos là. Je peux les bouger ou pas? Non, je peux pas les bouger. Donc lui, par exemple, si on le met là. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Non, je peux pas le tourner. Non, d'accord. Ah, ok. D'accord. Donc, bah, c'est lui alors. Donc là, il me faut 6 et 3. Est-ce que par exemple, j'ai 6 et 3? Donc là, il me faut 2. 2 sur le cucu. Allô? Non, pardon. Il est où 2 sur le cucu? 4. Pardon. Là, il me faut 6. 5 et 4. Est-ce que j'ai un truc où c'est 5 et 4? Alors, attendez, c'est un truc bizarre là. Je vais tous les placer comme ça, je vais essayer de voir. Ou si je faisais 1 et 1 par exemple. Donc là, il me faut juste 1 et 3. Et 1 et 3, c'est pas bon. Parce que je l'ai pas dans cet ordre-là. Donc c'est pas bon. Non. Donc 3. Ou 3 et 4. Et là il me faut 1 et 4. Est-ce que j'ai 1 et 4 quelque part? Non, c'est nul. Non. Donc toi, c'est la tête. Il me faut une tête à 3. Donc là il me faut 6 et 1. C'est tout ce que j'ai en fait. Voilà, c'est lui. Là, il n'y a pas d'autre choix que ça. Ensuite, là, il me faut 4. Et bah, ça peut être ça. 4, 6, 5 et 4. Mais j'ai pas 5 et 4. J'ai 5 et 2. Alors, le 4, j'ai quoi? J'ai lui, par exemple. Donc là, si j'ai ça, lui, j'ai 0 et 5. Ah mince, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est pas possible. Il me faut un autre 4. Lui. 4 et 6. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah bah lui, il est là, par exemple. Là, j'ai pas de 4. Où est-ce que j'ai un 4? Je vois pas de 4. Si, c'est là. Voilà, c'est comme ça. Bah alors, bah, je suis pas sûr de comprendre, en fait. 4. Là, ils disent que c'est bon, on est d'accord. Et lui?
2, c'est bon. 6, c'est bon. Et lui, il a 4, c'est bon. Mais non, mais c'est bien ça. Donc, vous savez, j'ai eu un doute là à un moment donné. Alors. Oh mon dieu, je viens de découvrir qu'on peut appuyer sur le truc pour le tourner. Ah oh, purée, suis-je bête. J'avais pas vu qu'on pouvait cliquer dessus pour le tourner. Je me suis dit, c'est pas possible parce que là, les deux comme ça, et jamais ils vont rentrer en fait. Très bien, bon, bah, donc ça va aller beaucoup mieux comme ça maintenant que je peux faire ça. Du coup, par exemple, si je fais ça, et là je fais 1 et 3. Est-ce que j'ai un 1 et 3? Oui, voilà. Donc ça c'est bon. Voilà. Alors ensuite un 2. Voilà, lui il a un 2. Donc je le tourne. Là j'ai 4 et 6. Donc est-ce que j'ai un 5 et 4 quelque part? Non, je n'ai pas ça. Donc ça peut pas être ça. Donc 6 et 3. Et il me faut un 4 et 3. Voilà, parfait. Alors ensuite, là il me faut un 4. On fait ça. On le met là, on tourne. Là il me faut un 5 par exemple. Là on fait un 5 et 1. Et là on fait un 1 et 6. Et ça va pas. Je vérifie. 1, 1, 1, 3, 2, 5. On va faire ça, comme ça. Et ben là, c'est bon. Qu'est-ce qui cloche? 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 1, 1, 6, 6, 5, 5, 0, 0, 4, 4, 4. Voilà. Forcément. Super. Ah, il y a ce truc-là. Ok, c'est bon. Oh là là, mais c'est dur hein, des fois. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, toi, bonjour. Ah. Ok. Oh non. Ok, j'ai compris. Il faut que j'appuie. Oh mince. Ok, j'ai compris. Voilà. Oui. Oh non, j'ai raté mon coup. Ok, alors on va faire ça, on va faire ça, regardez. Ok, parfait. Et il y a le troisième. Ok. Oh. Allez, au revoir, merci. Oh, c'était mignon. Ça y est, j'ai enfin réussi. Ah, succès déverrouillé, où vont-ils? Allez, je mets tout le savon dedans. Ça va faire plein de bulles. Voyons voir. J'ai pas vu. Zut, j'ai pas regardé. Comment on fait? Oh zut, j'ai pas pensé à regarder. J'ai pas fait attention. Attendez. Ça fait quoi? Alors, ah, goutte. Ça fait. Ouais. Très bien, une petite bulle. C'est le jeu de Simon, ça. Très bien, allez encore un, c'est tout bon. Waouh, une grosse bubule. Elle est jolie. Yeah, succès déverrouillé. Passager, bulle d'air. Ah, regardez. Ah, ça y est, on s'envole. Super, du coup, il va falloir trouver un moyen de déblo okay. De débloquer ça. Ah, mais ça, c'est drôle, ça, je sais pas à quoi ça sert, on en voit partout. Peut-être des trucs secrets. Ah, ça y est, ils veulent des œufs. Donc lui, il faut qu'on roule. Ah. Ok. D'accord, donc lui, il veut les roues. Le couteau pour couper. Moi, je veux couper ça. Non? Si! Voilà, très bien. Ça, c'est le symbole de l'infini. Bonjour, toi. Ah, tu veux tes œufs. D'accord. Alors, oulala, ça m'a l'air bien compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On dirait une sorte de timbre. Il va falloir que je trouve les timbres, on est d'accord, non? Ok, on a compris. Mais oui, ça, regardez, c'est ça. Ok, c'est pas grave. On va descendre. Donc, on va prendre l'œuf. On va prendre l'autre œuf. Il reste des roues ici. Où est-ce qu'il y a des roues? Là. Il en reste une là. Il n'y en a plus. Il reste des œufs ici. Il reste une roue là. Il y avait un timbre ici. Non, ici il n'y a plus rien, on est d'accord. Il y a aussi un timbre ici, ça servira pour tout à l'heure.
Il reste un œuf. Là. Il en reste un autre. Parfait. On va s'aider de ça là-bas. Tiens, vas-y, prends tes œufs. Ah, une petite clé, merci. Ah. Parfait. Ça, j'ai trouvé. Ça, ça servira pour plus tard. La pierre. Ah, trop bien. Ah ouais, mais du coup, comme on a les 4 roues, on va pouvoir les mettre. Ouais! Hop, je prends la... Ok, c'est bon. Donc là, il faut les timbres. C'est bon, on a tout compris. Donc là, il y avait un timbre ici. Parfait. On va aller vite. Donc là, il y avait des timbres. Je crois que j'en avais vu... Là, un là. Ah, mais il faut les pierres. C'est ça. Malheur, c'était ça, non? Non? Attendez, je comprends pas tout. Alors là, j'ai rien compris. Ah, si, c'est la verte. Donc c'est en bas et à droite. Je crois que c'est ça. Et là, il y a la bleue qui est là. Et il y aura la rouge qui est ici. C'est ça. Ok, c'est ça. Donc la verte, c'était ça. C'était ça, la verte. Ok. Bleu, je me souviens plus si c'était ça. Bien. Et l'infini. Bon, ça va, c'était facile, j'aimais bien. Du coup, c'était ça. Ok. Je me souvenais pas. Ah, cool. Et un timbre. Merci. Donc là, il n'y en a plus. Et tous les autres qui me manquent, ils sont là. Donc, il y en avait un là. Un là. Il y en avait un là-dedans, d'ailleurs. Il n'y en a plus là. Et le dernier... Il était où déjà? Peut-être dans la boîte ici. Ouais, c'est ça. Trop cool. Et on va mettre les timbres. Ouais. Ah si, je crois que j'ai compris. Regardez. Vous voyez là, ça met le rouge. Il faut qu'il y ait les dents ici. Donc c'est lui. Le jaune, c'est là. Le violet, c'est là. Le orange, c'est là. Le bleu, c'est là. Je pense que c'est ça. Et le vert, c'est là. Je pense que c'est ça. Vous voyez, en fait, regardez. Là, il y a les dents en haut à droite. Donc, c'est en haut et à droite. Là, c'est le jaune en haut à droite, en bas. Donc, c'est comme ça. Et du coup, là, le vert, c'est en haut et à gauche. Donc, voilà. Ah, c'était bien ça. Sur le coup, j'étais dit, oh mon Dieu, je vais rester bloqué 20 ans sur cette énigme. Je vais jamais y arriver. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh. Oh oh. Je vais enlever ça. Monsieur. Oh. Oh, il pleure. Non. S'il vous plaît, laissez ma soeur tranquille. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Ok. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin de chaque niveau, il y a, y a une machine à musique en fait. Et ok. Je comprends pas du tout. Hein. Oh là, je comprends pas du tout ce qu'ils attendent de moi. Oh là là, je comprends pas. Ah.
Ah, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ou pas. Ah ouais. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, voilà. Ça, c'est là. Non? C'est lui qui fait ça. Je lui accroche au doigt. Oh, c'est trop joli. C'est... Oh. C'est trop mignon. Attends, on va changer d'heure. C'est pour jouer avec lui le pied, non? Non? J'ai pas tout compris. Là, ça. Non? Ah, regardez, là, ça dit le lapin et le chapeau. Est-ce qu'il y a un lapin quelque part? Ça, là, c'est là. Ah, c'est là le ballon, j'avais pas vu. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ici? La carotte! Oui! Je t'ai pris le lapin. Tu vas dans le chapeau, toi. Ah, c'est marrant parce que du coup, il faut trouver quel objet va avec quel truc et tout, c'est trop drôle. Donc là, il me faut une roue, là, il me faudrait genre une pelle, par exemple. Et là, il me faudrait un petit train ou je sais pas quoi. Oh oh. Pardon. Ah ouais. Et d'accord, il manque le petit triangle aussi. Ah oui, il me faut ça aussi. Et il y a ça. Oh là là. Vas-y, saute-toi. Non, j'ai pas l'air d'être là. Ah, la petite pelle que j'attendais. Une pile pour faire fonctionner ça. Ok, super, le petit bout de fromage que je mets là. Ok. Ah ouais. Il manque juste la roue du... Ah, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe! Ah, c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça trop cool. Oh là, ça bouillonne, ça bouillonne. Là, ouais, c'est ça. Ouh là là. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Il n'y a pas genre une louche ou un truc pour ouvrir? Un gant à main. Donc là, j'ai tout. Il manque juste ça. Je peux pas le prendre là, non? C'est bizarre, hein. Ah, il y avait un truc là-dedans. Ah, la roue de voiture. Là. Pim pim. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que je dois mettre là-dedans? Faudrait que je mette un truc rond. Faudrait que je mette un truc là-dedans. Ah là là, je vois pas du tout ce que ça peut être. Ça paraît tellement évident, peut-être, pour vous. Là, c'est bizarre, non? Ah, l'ampoule ici. Ah oui, j'avais pas pensé qu'on pouvait prendre des trucs d'ici pour les mettre là. Et oui, merci le petit train. Ça y est. Oh, trop cool.
Franchement, le jeu est dur. Je sais pas si des enfants peuvent y arriver. Alors, peut-être que justement, de par leur esprit complètement neuf et naïf et tout, bah eux, ça paraît très logique. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même un peu la galère là. Ça fait 30 minutes que je suis en train de jouer au jeu et des fois, je me dis, mais là, par exemple, vous voyez. Bah, ça a été un peu difficile des fois de trouver les connexions entre les trucs. Je cliquais un peu au hasard, hein, des fois. Oh, regardez, elle a l'air d'aller mieux. Oh, j'ai fini le jeu. Oh, j'avais pas compris que c'était la fin du jeu. Bon, bah écoutez. Super, My Brother Rabbit, développé par Artifex Mundi. Et c'était. Bah, franchement, c'était un super jeu. Comme je disais aussi, voilà, une super ambiance sonore, et puis vous l'entendez avec la musique de fin de ce jeu. Et franchement, bah, je les félicite parce que franchement, c'était très plaisant, même pour moi qui suis trentenaire bien passé. Je me dis que bah, voilà, ça fait plaisir ce petit jeu comme ça. Est-ce qu'il y a un petit secret à la fin? Alors, je sais pas du tout, les noms de famille là, ça a l'air un peu polonais peut-être ou biélorusse, un truc du genre. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, et puis, ouais, leur faire découvrir ce petit jeu tout mignon et tout. Et puis, bah, si jamais vous connaissez des enfants et que vous avez ce jeu, eh ben, dites-moi s'ils ont plus galéré ou moins galéré que moi. Parce que, bah voilà, c'est pas si évident que ça. Mon Dieu, mais ils étaient nombreux à bosser dessus. Ah non, mais d'accord, c'est. On repasse. Oh, trop cool. Très bien, 5 petits chapitres, ouais, et puis 30-40 minutes par chapitre, finalement ça fait une durée de vie plutôt sympathique. Voilà, et ben écoutez, moi je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et puis ben à très bientôt, peace out!